Bonjour et bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. C'est toujours un privilège pour moi de venir chez vous pour pas seulement qu'on puisse louer ensemble, mais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble et étudier ce que la parole de Dieu déclare. Nous allons commencer une nouvelle série ce matin sur le second venu de Jésus. La même Bible qui a prophétisé que Jésus allait venir la première fois, les mêmes prophéties, les mêmes livres dans l'Ancien Testament qui prophétisent que Jésus allait venir donner sa vie pour nous à la croix, ressusciter d'entre les morts, prophétise également que Jésus va revenir une deuxième fois. Et nous allons commencer cette semaine, aujourd'hui, et nous allons continuer pour les prochaines semaines jusqu'au temps que le Saint-Esprit nous dirige dans tout ça pour étudier, regarder ces prophéties et tout ce que la Bible dit qui parle du retour de Jésus-Christ. Mais avant de rentrer dans le message et avant de rentrer dans un moment de louange et un moment d'adoration, prenons quelques instants avec moi ce matin. Nous allons rentrer dans un temps de prière, un temps d'intercession. La parole de Dieu déclare, Jésus a déclaré que ma maison sera une maison de prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie pour tout. Les hommes et les femmes qui sont avec moi ce matin à l'écoute, Seigneur, je prie que ta grâce, que ta main de miséricorde, de puissance peut agir dans les vies, dans les cœurs de chaque personne qui sont réunies ensemble dans leur maison. De la même manière, Seigneur, que tu as utilisé l'église de Acts qui allait de ville en ville, que ta royaume, que ton église a pris une expansion exponentiellement à cause de la puissance de ta parole, à cause de ta longue de ton Saint-Esprit qui habitait dans les vies de chacun de les croyants à l'époque dans le livre de Actes. Seigneur, je prie que cette même puissance, cette même audace, cette même feu de vouloir partager ce que tu as fait pour nous peut inonder les vies, les cœurs de chaque croyant, que nous puissions voir un réveil comme on n'a jamais vu auparavant dans les cœurs, dans les vies individuellement de chaque croyant, chaque chrétien, que nous pouvons marcher avec la foi, avec une assurance que tu es avec nous, et si tu es avec nous, personne ne pourra être contre nous, et que tu es en train de bâtir ton Église. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, merci pour ce que tu as fait dans le passé, merci pour tout ce que tu fais dans le présent, et merci pour tout ce que tu vas faire pour nous dans l'avenir. Dans le nom de Jésus, on prie, et toute l'Église dit Amen, tapez Amen. Prenons quelques instants. Écris-nous sur Facebook ou sur YouTube, peu importe où ce que vous êtes en train de nous écouter ce matin. Dites-nous de quel endroit que vous êtes en train de nous écouter. Si jamais je dis quelque chose au courant du message ou si jamais durant le temps de louange, adoration, s'il y a quelque chose qui te bénit, qui te touche, laissez-nous savoir. C'est une façon de rester quand même en contact. On, physiquement ici en place, on serait capable de s'encourager les uns les autres, mais là c'est au niveau virtuel qu'on est capable de le faire. Fait que soyez pas gênés de écrire Amen ou gloire à Dieu ou quelque chose si Dieu te touche durant cette réunion. Fait que sois béni. On va prendre un moment de louange et je vous vois dans quelques minutes pour rentrer dans le message. En toi, les humbles sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, se tend les bras, tu nous appelles de ta voix, venez à moi. Appelle par notre nom.
nous appelle à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. C'est amour qui peut libérer. Jésus, oui pour toujours.
Il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face éternelle. Et c'est par ta grâce et c'est par ton sang, oh Jésus, j'élève chaque une offrande de toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, sois l'honneur et la gloire qui t'est due. Merci pour ce temps de louange. J'espère que vous avez été bénis par ce moment. On va rentrer dans le message, dans la parole de Dieu pour ce matin. Premièrement, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Église de la Moisson. Vous savez maintenant, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en direct. Nous allons continuer de fonctionner de cette façon jusqu'au temps que notre gouvernement change les directives pour qu'on puisse se revenir ensemble. Et jusqu'au temps que les directives ne sont pas changées, nous allons faire les diffusions live sur Facebook, YouTube, notre site Internet. Pour donner, vous pouvez aller sur notre site www.churchoftheharvest.ca et vous pouvez donner à travers de Canada Helps, qui est il y a un onglet de données pour ça. Et aussi, vous pouvez également envoyer tout simplement vos dîmes, vos offrandes par chèque à l'Église. Sur notre site, il y a l'adresse postale de l'Église. Fait que ça, c'est les deux façons que vous pouvez donner. Merci à tous qui donnent et qui continuent à nous supporter, ton Église, votre Église. Et si vous écoutez puis vous faites partie d'une autre Église, mais je vous encourage de supporter votre Église locale. On a besoin que les chrétiens, que les croyants se supportent les uns les autres. Et si vous avez des besoins, quoi que ce soit votre besoin, laissez-nous savoir, ça va nous faire plaisir de vous aider si on peut. Et juste une autre mention, si vous donnez à travers de l'Internet et si vous donnez avec l'onglet COVID-19, s'il te plaît, mentionnez dans le message, le portion message, c'est pourquoi votre don. Si c'est un dîme, offrande, s'il y a une portion que vous désirez qu'elle va à Provision Laval, laissez-nous savoir le breakdown, c'est très important lorsque vous donnez à travers de l'onglet COVID-19. Avec ce dit, nous allons rentrer dans une nouvelle série. On va rentrer dans la parole de Dieu ce matin. On va parler de la seconde venue de Jésus-Christ.
1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 2. « Mais l'Esprit dit que dans les derniers temps, certaines abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, donc la conscience est marquée en fer rouge. » L'apôtre Paul ici nous donne une parole prophétique à travers du Saint-Esprit qui dit que dans les derniers jours, expressivement, il va y avoir des gens qui vont, premièrement, qui vont perdre la foi, qui vont détourner de la foi et ils vont être attachés, ils vont s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. J'aimerais ça, avant qu'on rentre profond dans le message qui va être un peu plus prophétique fin des temps, on va aller dans le livre d'Apocalypse, on va regarder un peu ce que la Bible dit de l'Antichrist et tout ce qui arrive en ce moment avec la pandémie. Mais j'aimerais ça, avant, juste déposer un certain fondement, avant qu'on va trop loin. La Bible dit ici qu'il va y avoir des gens qui vont détourner de la foi et qui vont être séduits par des doctrines de démons, par des esprits trompeurs. Et il y a trois choses que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur durant cette semaine, lorsque j'étais en train de préparer pour le message, des choses qui sont dites, des messages qui sont déclarés ou prêchés ou proclamés dans notre génération, dans l'Église aujourd'hui. Je ne parle pas de notre Église ou les Églises nécessairement évangéliques, mais je parle en gros, partout dans le monde, il y a certaines doctrines, il y a certaines pensées qui sont là, qui sont en train de séduire les gens loin de la vérité de l'Évangile. Juste pour que, si vous êtes nouveau à les choses de Dieu, la vérité de l'Évangile, il est très simple. Il est pas compliqué du tout. L'Évangile, c'est que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu mourir pour nous à la croix. Et à travers de la croix et la résurrection de Jésus, en mettant notre foi en lui et lui seul, nous avons la vie éternelle. C'est ça l'Évangile. C'est n'importe quoi qui rajoute à ça n'est pas l'Évangile. Fait que si, mettons, je dirais ce matin qu'en plus de mettre votre foi en Jésus-Christ, faut que tu viennes à l'église de la moisson pour être sauvé, fausse doctrine. Si je rajoute à part de mettre votre foi en Jésus-Christ, tu dois faire une action religieuse, n'importe quelle action, à part de croire en Jésus-Christ, c'est fausse doctrine. Ce n'est pas l'Évangile. C'est modifié ou ajouté à l'Évangile. Et il y a une des choses qui est sûre et certaine, qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas plusieurs façons pour se rendre à Dieu. Il y a une seule façon, et c'est à travers de son Fils Jésus-Christ. Fait que la première des mensonges, la première doctrine de démons que moi je crois, qui a infiltré des églises, pas juste ici au Québec, mais un peu partout dans le monde, c'est cette pensée qu'il y a plusieurs façons de rencontrer Dieu. Il y a plusieurs façons d'être sauvé. Et Jésus n'est pas la seule façon. Et c'est souvent son... si j'aurais dit ça v'là 20 ans, même s'il y a des prédicateurs qui sont plus âgés que moi, que v'là 30 ans, 40 ans, cette pensée dans les églises évangéliques chrétiennes était bien sûr, on sait tous qu'il n'y a pas plusieurs façons à Dieu. Mais maintenant, il y a ce mouvement qui prend place où ce que dans l'Église catholique et dans d'autres églises, que la pensée est qu'il y a plusieurs façons de se rendre à Dieu. Jésus-Christ n'est pas la seule façon, il n'est pas le seul cheminement. J'aimerais ça juste pour vous démontrer à quel point qu'on est rendu. Je vais vous montrer une vidéo. Ce vidéo a été filmé par l'Église catholique, il a été mis sur le site de l'Église catholique. Fait que c'est pas une vidéo qui est faite comme contre l'Église catholique, c'est eux qui l'ont fait. Et ça démontre que, et là, tu vas entendre le pape, le pape actuel, Francis, qui est là, en train de dire qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs manières de se rendre à Dieu. Tu peux prier à Allah, tu peux prier à des dieux de hindous, tu peux être à différentes religions, mais tout se rend à Dieu. On va regarder ce vidéo, après ça, on va revenir puis je vais continuer le message. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios.
Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. En regardant cette vidéo, vous voyez à quel point que nous sommes dans une situation, dans un moment où ce que le monde se détourne de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit que Jésus, il est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Nul vient au Père que par lui. Fait que nous avons la foi que lorsque nous mettons notre foi, notre confiance en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et notre vie n'est pas, nous n'avons pas la vie parce que on met notre confiance en nous ou dans une église ou dans un prédicateur, une prédicatrice. Nous avons le salut, nous avons la foi, nous avons la victoire lorsque nous mettons notre vie, notre foi en Jésus-Christ dans l'acte de la croix et la résurrection que Jésus a fait pour nous. Now, lorsque je vois ce qui se passe dans le monde et que y a cette pensée que oui, mais sur la bannière de l'amour, il faut accepter tous les autres pensées, les autres religions. Oui, il faut aimer les gens. Oui, il faut essayer de rejoindre les gens. Mais il ne faut pas accepter le mensonge, ce pensée démoniaque qui dit qu'il y a beaucoup plus, il y a plusieurs chemins pour se rendre à Dieu. Parce que si c'est vrai, pensez-y quelques instants. Si c'est vrai que Dieu sait qu'il y a plusieurs cheminements pour se rendre à lui, mais la croix, la souffrance que Jésus a souffert à la croix est absolument inutile. S'il y a plusieurs moyens ou façons de se rendre à Dieu, la croix de Jésus n'a aucune utilité, aucunement. Jésus a souffert pour rien parce qu'il ne savait pas que si ça tentait de prier à une espèce de roche, si je suis un hindou, puis dans ma culture, il y a des vaches qui sont saintes, il y a des roches qui sont saintes, je suis capable de prier à des roches et à des vaches. Mais Jésus ne savait pas, mais il y avait plusieurs façons pour se rendre à lui, mais la croix devient inutile, la souffrance de Jésus à la croix devient inutile, et la raison pourquoi la croix n'est pas inutile, c'est parce que c'est la seule façon de te rendre à Dieu. Il n'y a aucun autre nom sur lequel que les hommes ou les femmes peuvent être sauvés que le nom de Jésus. Bouddha n'est pas mort pour nous à la croix. Mohamed n'est pas mort pour nous à la croix. D'ailleurs, ils sont morts en train de vivre leur propre vie. Mohamed est mort en train de battre contre des gens qui étaient contre lui. Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Et lorsque tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur, tu es rempli de son Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu deviens un enfant de Dieu et tu ne peux pas trouver une relation avec Dieu dans aucune autre manière ou dans aucune autre façon qu'une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ qui devienne ton sauveur, le Seigneur de votre vie, celui qui te conduit, celui qui te dirige. Il n'y a pas plusieurs façons pour se rendre à Dieu. Je m'en fous ce que le pape dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare et c'est ça la vérité. Et soyons pas séduits par cette pensée que parce qu'on aime les gens, qui est vrai, on aime les gens, on veut que les gens soient sauvés. Même la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Fait que oui, Dieu aime le monde, on aime le monde, mais on ne dit pas une mensonge aux gens en disant, mais servez n'importe quel Dieu que vous voulez et ça va vous rendre au Dieu ultimement. Non, tu as besoin de croire et de mettre votre foi en Jésus-Christ. Il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Si vous êtes d'accord avec ça, dites amen. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il y a plein d'autres prédicateurs à écouter ce matin. Fait que vous pouvez faire le tour de YouTube. Il y en a des millions, littéralement, qui prêchent d'autres choses. Mais moi, j'ai pris une décision dans ma vie depuis que je suis un jeune. J'écoutais mon père prêcher. Et mon père, il avait ce don. Des fois, les gens ne l'aimaient pas. Mais il disait toujours
ce que la parole de Dieu déclare. Des fois, les gens moquaient de lui ou riaient de lui. Et moi, j'ai pris une décision. Si je dois faire une erreur, je préfère de faire une erreur, se pencher sur le côté de ce que la parole de Dieu déclare et non pas sur ce que les hommes veulent entendre. Mon but, c'est pas de dire ce que les hommes veulent entendre ce matin, c'est de déclarer ce que Dieu nous a dit. C'est pas à nous à former un Dieu selon notre propre image et l'insérer dans la parole de Dieu. C'est à nous de laisser la parole de Dieu créer l'image de Dieu dans notre cœur et changer notre vie. On ne change pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu change notre vie, notre cœur, notre façon de penser. Est-ce que je peux lire un amen ce matin, si vous êtes d'accord? Fait que la première déception qui arrive dans l'Église, c'est cette déception de « il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de se rendre à Dieu ». La deuxième mensonge qui arrive aussi dans les Églises, c'est que à cause que nous sommes dans la grâce, on peut vivre de la manière qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, on peut agir comme qu'on veut, parler comme qu'on veut, coucher avec qui qu'on veut, agir de la manière... Et l'apôtre Paul qui nous a donné la révélation de la grâce, sans lui, on n'aurait pas la révélation de la grâce que nous possédons. Il nous a dit, c'est pas à cause que nous sommes dans la grâce que nous avons le droit de vivre comme nous voulons. Ce n'est pas un droit acquis qui nous permet de vivre dans le péché, mais au contraire, on doit avoir une crainte de Dieu, une crainte de l'Éternel lorsqu'on vit pour Dieu, de soumettre notre vie à lui et de ne pas vouloir vivre de n'importe quelle façon, mais de vivre selon sa parole. Tu sais, il y a des églises, il y a des dénominations. Et ce que je vais peut-être dire va peut-être offenser certaines personnes ce matin, mais j'ai commencé avec des offenses. Mon but, c'est d'offenser tout le monde avant la fin de la réunion. Moi, j'ai un jeune homme qui est allé au collège biblique avec moi et on a perdu de vue. Je l'ai sur Facebook, je l'ai trouvé. Il m'a rajouté comme ami et tout. Et je regardais son profil et j'ai vu que cet jeune homme qui est allé, là maintenant, il n'est plus un jeune homme, on est près de 40 ans, il se mariait avec un homme. Il est pasteur d'une église, mais il est marié avec un homme. Et l'église ou la dénomination dans laquelle il fait partie est vraiment une dénomination qui vraiment ouvre les bras grands à ceux qui vivent dans l'homosexualité et les met dans des positions de leadership dans l'église justement pour démontrer à quel point ils sont ouverts à ça. Et je sais ce que je vais dire, peut-être va vous offenser ce matin, mais croyez-moi, c'est avec l'amour. La vérité est toujours dite dans l'amour. Je ne suis pas là pour détruire les gens. Je suis là pour bâtir et aider les gens. Mais moi, je réfléchissais à ça cette semaine lorsque je lisais cette verset de l'apôtre Paul qui dit « Il va y avoir des doctrines de démons, des espèces de doctrines qui vont séduire les gens loin de Dieu. » Et je réfléchissais que moi, si j'aurais été marié avec un homme, ce genre de dénomination que ce gars-là il fait partie m'inviterait pour prêcher. J'aurais des invitations grandes ouvertes à venir prêcher dans leur église si j'étais marié avec un homme. Mais parce que je suis marié avec une femme et parce que, pas parce que je suis marié avec une femme, mais parce que je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en d'autres langues, les dons de l'Esprit et tout, ils vont me fermer les portes. Ils ne vont pas vouloir qu'on prêche dans leur église parce qu'ils considèrent les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit comme étant un peu trop exagérés. Et si on réfléchit à ça pendant quelques instants, on a des églises. Il y a des croix, il y a la Bible qui est prêchée. Et ce qu'ils disent, c'est que tu es rempli du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, tu ne peux pas prêcher chez nous, mais si, Daniel, tu serais marié avec un homme, tu serais le bienvenu à prêcher dans notre église. Pourquoi? Parce qu'on vit dans les derniers jours où il y a une séduction qui se fait, où ce que la parole de Dieu déclare péché, nous, on le déclare bien, et ce que la parole déclare bien, comme parlant en langue, les manifestations du don de l'Esprit, les hommes l'appellent mauvais. Et ça, tu vois que ça prend un esprit démoniaque qui est dans ce monde pour confronter, pour manipuler ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et je vous encourage ce matin de ne pas vous laisser séduire à l'extérieur de ce que la parole de Dieu déclare. Et avec amour, mon but, ce n'est pas de vous offenser, ce n'est pas de venir contre quoi que ce soit. Dieu t'aime et la raison pourquoi, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Et c'est une chose de dire, OK, mais moi je suis un chrétien, mais j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Dieu est capable de t'aider, il est capable de te sauver, il est capable de te délivrer, il est capable de te racheter. On a besoin de mettre notre foi en lui et en lui seul. Est-ce que je peux entendre un amen si vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord,
il y a plein d'autres prédicateurs ce matin que vous pouvez écouter. Fait que, un, il y a des gens qui disent qu'il y a plusieurs façons à se rendre à Dieu, c'est faux. Deuxièmement, il y a des gens qui disent que tu peux vivre de la manière que tu veux, faire ce que tu veux, et parce qu'on est sous la bannière de la grâce, c'est correct, c'est un faux doctrine également. Et troisièmement, il y a une doctrine une fausse doctrine dans l'Église qui dit que Jésus ne revient pas. Il n'y a pas de deuxième, second venu, il n'y a pas de retour de Jésus une deuxième fois c'est faux. Et la Bible prophétise en 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, se penser que dans les derniers jours, il y a des gens qui vont moquer du fait que Jésus revient. La Bible dit, verset 3, « Enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs qui vont marcher selon leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de son avènement? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Descendez avec moi dans le verset 8. Mais il a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1 000 ans, et 1 000 ans sont comme un jour. Et le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucune périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Fait que le cœur de Dieu, c'est pas qu'il retarde ses promesses, c'est parce qu'il y a la grâce, le désir de voir des hommes et des femmes sauvés, des gens nés de nouveau. Et c'est pour ça que c'est important comme croyants que nous ne soyons pas gênés de déclarer, de prêcher, de témoigner ce que Dieu a fait dans nos vies, parce que c'est la seule façon que les gens vont entendre l'Évangile. C'est à travers de nous, c'est à travers de notre témoignage. Donc, je vous encourage de prier pour vos voisins, priez pour les gens autour de vous, priez pour votre famille, les gens peut-être qui sont loin de Dieu en ce moment, de prier que Dieu les touche et qu'ils puissent revenir à lui, qu'ils puissent avoir une expérience avec Dieu. Et là, je veux rentrer dans le base ou le fondement du message de ce matin. On va parler de l'enlèvement, on va parler aussi de l'Antichrist et de ce que cette pandémie est en train de faire. Mais avant de rentrer, mais vas-y avec moi en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Je veux juste amener une certaine précaution, parce que lorsqu'on parle de les fins des temps, on parle de retour de Jésus, il y a souvent ou parfois beaucoup de théories, de complots qui se propagent un peu partout sur les médias sociaux. Il y a des choses qui sont pas du tout vraies, il y a des choses qui peut-être c'est vrai, mais il n'y a pas de preuves. Il y a des choses qui sont faux complètement, il y a des choses qui sont vraies. Fait qu'on ne sait pas. Fait que moi, je ne suis pas là pour essayer de faire une promotion, quoi que ce soit, à aucune de théories qu'il peut avoir sur Internet. Au contraire, je vous encourage de ne pas vous laisser séduire nécessairement par toutes les pensées, toutes les théories qui sortent. Mais de la même façon, je veux aussi vous mentionner de ne pas être naïf et de penser que tout ce que le média libéraux, le média québécois, le média américain nous disent est absolument la vérité et que c'est vrai et on ne questionne pas le gouvernement, on ne questionne pas les médias. Je pense que ça aussi, c'est un peu naïf de penser qu'il n'y a pas de choses qui se passent en arrière de la scène, tandis que la Bible nous prophétise que dans les fins des temps, il va y avoir une puissance, une gouvernance mondiale qui va prendre la place, qui va prendre charge. Il y a un antichrist qui va prendre le pouvoir. Il y a des choses qui vont prendre place dans notre génération, dans notre monde. Peut-être pas dans notre génération, mais dans le monde, dans l'avenir. Fait qu'il faut faire attention de pas trop embarquer dans nécessairement tous les complots et toutes les théories qui viennent dans votre feed de Facebook, mais aussi faut avoir une certaine sagesse de savoir qu'à travers de cette pandémie, il y a des choses qui sont en train de prendre place dans le monde qui vont, à mon avis, préparer l'estrade pour les choses que la Bible prophétise qui vont arriver dans les fins des temps. Regardez avec moi en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1. Ça dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. J'aimerais ça répéter parce que Paul, il donne un conseil pastoral à l'Église. Je vous le fais la même chose ce matin. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Fait que si Paul il fait ce remarque, attention de ne pas aller trop rapidement dans des pensées que c'est déjà, on est déjà arrivé, le fin du monde est arrivé à cause de telle chose. Il dit, soyez pas ébranlés dans votre bon sens. Fait que, comme chrétien, on doit avoir une assurance, un paix dans notre cœur que les choses vont dérouler de la façon que Dieu l'a prévu. Et c'est pas à nous de devenir inquiets ou anxieux ou remplis de crainte ou de peur pour ce qui va arriver. Au contraire, d'avoir un paix dans notre esprit. Et il dit que de pas penser que si, comme si le Seigneur est déjà le jour du Seigneur est déjà arrivé, verset 3, que personne ne vous séduise de aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Fait qu'ici, Paul, il donne cette parole prophétique par le Saint-Esprit qui est en lui, qui dit, inquiétez-vous pas si vous pensez que c'est le jour du Seigneur est arrivé. S'il ne l'est pas, il faut qu'il y ait deux choses qui arrivent. Premièrement, il y a des gens qui vont s'éloigner de Dieu, « a falling away » en anglais, qui dit. Et en deuxième chose qui doit arriver, c'est que l'Antichrist, ici, il parle de l'Antichrist, doit prendre une position de pouvoir. Les gens vont l'adorer, le louer. Il va s'asseoir sur le trône dans le temple. Il va s'appeler Dieu. Il va dire aux gens que lui, il est Dieu. Fait que si cette chose-là n'est pas arrivée, vous savez que le jour que Jésus va revenir n'est pas encore arrivé. Fait que vas-y avec moi en Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, on va lire quelques versets ici qui parlent justement de l'Antichrist, qui parle de les choses qui vont arriver avant le retour de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne savent pas, peut-être pour vous c'est nouveau, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties qui parlent du fait que Jésus va venir, que Jésus allait venir, la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, des centaines et des centaines d'années avant que Jésus arrive sur la terre. Il a été prophétisé de Genèse jusqu'à Malachie, mais là, il y a au-dessus le même nombre de prophéties, 300 ou plus prophéties, qui parlent du retour de Jésus et de les choses qui vont arriver dans les fins des temps. D'ailleurs, il y a tout un livre, le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui parle justement de tout ce qui va arriver dans les fins des jours. Et on va regarder le chapitre 13, verset, à partir du verset 3. « Et j'ai vu l'un de ces êtres comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Ici, on parle de l'Antichrist qui va se faire tuer, il va avoir une blessure à la tête, qui va être ressuscité. Verset 4. « Et il adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Le dragon représente Satan ici. Fait que Satan donne un pouvoir à l'Antichrist qui va donner une autorité, adore la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il fut donné une bouche qui profait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il fut donné un pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il fut donné à de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Fait qu'ici, on voit un gouvernement mondial qui est prophétisé. Verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adorant, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. » Verset 9. « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un
est amené captif, il ira en captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'elle soit tuée par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Fait qu'on parle d'une persécution qu'il va avoir pour les croyants qui vont... Il y a des gens qui vont donner leur vie à Jésus durant ce temps de tribulation et il y a beaucoup de Juifs qui vont aussi donner leur vie à Jésus. On parle de cette persécution qu'ils vont faire face durant ce temps de tribulation. Verset 11. Plus je vis monter dans la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qu'il parlait comme un dragon. Fait qu'ici, on parle d'un faux prophète, un autre personnage qui est comme un agneau. Fait que ça va être un personnage que les gens vont regarder, qui va sembler être quelqu'un de bien, quelqu'un qui est comme un agneau doux, rempli d'amour, mais en réalité, il est là pour pousser les gens vers l'Antichrist. Verset 12. « Il extrait toute autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorant la première bête, donc la blessure mortelle, avait été guérie. » Verset 13. « Elle opérait des grandes prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » Verset 14. « Et elle séduit les habitants de la terre par les prodiges que lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui avait été vivant. » Verset 15. « Et il fut donné d'amener l'image de la bête afin que l'image de la bête parlait et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Fait qu'on parle ici d'une religion mondiale. Tous ceux qui n'acceptent pas de louer cette image de la bête vont se faire tuer. Verset 16. « Et elle fit que tous, petites et grandes, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoit une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence de calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Fait que la parole de Dieu nous donne, on a lu beaucoup de versets ici, mais ça parle de Satan qui est le dragon, l'Antichrist qui est la bête et le faux prophète. C'est un trinité démoniaque qui va être en place dans les derniers jours. Et je vais juste, pour ceux qui prennent des notes, je vais juste vous dire quelques points de ce que la Bible nous dit va arriver. Premièrement, l'Antichrist va se présenter durant ce que la Bible appelle cette 7 ans de tribulation. Il y a des gens qui croient, moi je crois, qu'il va y avoir l'enlèvement de l'Église au début de la tribulation qui va créer un événement qui va faire paniquer le monde. Et cet événement va donner le droit, le pouvoir à des gouvernements de prendre des décisions qui vont contrôler les gens plus que jamais auparavant. Et maintenant, dans cette pandémie, on voit d'ailleurs à quelle rapidité que les gens peuvent enlever les doigts de d'autres personnes lorsqu'il y a une situation qui est dans le monde, qui crée un peur, une crainte, à quelle vitesse qu'on peut enlever vos doigts. Si j'aurais dit, voilà 3 mois, que si quelqu'un t'amènerait tes enfants voir leurs grands-parents, tu pouvais te faire donner un ticket et te faire arrêter par la police en amenant tes enfants voir leurs grands-parents, les gens m'auraient dit, pas ici au Canada, pas au Québec, t'es malade. Mais dans quelques semaines, quelques jours, tu vois à quel point que c'est facile et c'est rapide d'enlever les doigts aux gens et d'empêcher que les gens peuvent faire des activités quotidiennes et normales. Et fait que dans ces derniers jours, ce qu'on va voir, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, mais à une ampleur encore plus grande. Parce que l'événement va créer une panique globale qui va permettre à des autorités de prendre des décisions qui vont réduire encore plus les droits et les libertés des gens. Fait que premièrement, on voit que Satan va donner un pouvoir à l'Antichrist pour faire des miracles. Il va se faire tuer. Il va être ressuscité. Fait que c'est important parce que si vous n'êtes pas croyant, que vous m'écoutez ce matin, et lorsque, si jamais Jésus revient
et vous vivez dans le temps de la tribulation, au moins tu vas t'en rappeler. Il y a un prédicateur, un Italien là, à Laval qui parlait justement à un gars qui se fait tuer puis que, dans la tête, puis là, il est revenu à la vie. Fait que fais attention, faut que ça fait un déclic que c'est peut-être l'Antichrist. Et la Bible nous dit qu'après qu'il est ressuscité, il y a un faux prophète qui va venir à côté ou avec lui, qui c'est probablement un homme religieux qui est déjà respecté par beaucoup de gens dans le monde qui va pousser les gens à croire ou à accepter l'Antichrist comme étant vraiment quelqu'un qui vient de Dieu. Cet Antichrist va signer un traité de paix avec Israël pendant une période de 7 ans et il va briser le traité de paix au milieu du 7 ans. Aux 3 ans et demi, il va dire qu'il est Dieu. Il va s'asseoir dans le temple à Jérusalem. C'est ça que Jésus et le livre de Daniel nous parlent de cette prophétie, que l'Antichrist va prendre ce siège qui est là pour Dieu et qui va souhaiter que tout le monde le loue et l'adore. Et même, il va avoir une image qui va être bâtie pour tous ceux qui vont adorer et qui vont louer la bête. Et tous ceux qui vont refuser de louer, d'adorer la bête vont se faire tuer. Mais tous ceux qui vont louer, qui vont adorer la bête, ils vont recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front qui va les permettre de continuer de vivre normalement. Et ceux qui refusent de louer, d'adorer, d'accepter cette bête, ou ils vont se faire tuer, ou il y aura pas, ils vont être obligés de se cacher et ils ne pourront pas vendre ni acheter quoi que ce soit s'ils n'ont pas la marque de la bête sur eux. Fait que tout ça pour dire, dans la situation actuelle, la pandémie, qu'est-ce que moi je vois? Déjà, on voit, je ne crois pas que la pandémie comme telle est un acte prophétique. Je crois que c'est une maladie qui arrive. Je pense que notre gouvernement a fait les bonnes décisions pour protéger les gens. Mais avec ce dit, on voit que cette pandémie, à mon avis, va construire un peu l'estrade ou préparer l'estrade pour que certaines choses arrivent dans le futur. Une des choses, c'est un gouvernement mondial. Récemment, il y avait l'ancien premier ministre de l'Angleterre qui a fait une demande qu'il doit avoir un gouvernement mondial qui est en place, qui peut prendre le pouvoir pour gérer dans des situations de crise et de ne pas laisser tous les gouvernements individuellement gérer la crise, mais d'avoir une autorité mondiale qui peut gérer, tout gérer. Fait que ça, cette crise-là est en train d'amener à la surface un peu la structure, à mon avis, de les choses qui vont arriver, qu'on vient de lire ensemble dans le livre d'Apocalypse, qui va avoir un gouvernement mondial, une religion mondiale. On a vu la vidéo au début du message de la pape qui fait la promotion pour ce religion mondiale où ce que tout le monde, peu importe votre croyance, on est tous ensemble dans ça, dans une unité. La deuxième chose que je crois que cette pandémie va créer dans notre société, c'est que ça va enlever tranquillement et même de plus en plus rapidement l'utilisation de l'argent comptant dans notre société. C'est sûr, c'est quelque chose que les gens parlent depuis quand même un certain temps, que les bienfaits d'enlever l'argent comptant dans la société, et tu peux éliminer les ventes de drogue, tu peux éliminer beaucoup de choses dans les marchés noirs et tout, les vols et tout, tu perds ton portefeuille. Si tu n'as pas d'argent comptant, juste des cartes et tout, c'est facile à arrêter les paiements et tout ça. Fait qu'il y a des bonnes raisons pour que les gens aillent pour enlever l'argent comptant. Mais une des choses que la Bible va dire ici, c'est que l'Antichrist, il va avoir déjà en place un système où ce que l'Antichrist va être capable d'empêcher les achats et les ventes de tout le monde. Fait que s'il y a encore de l'argent comptant, on ne peut pas voir cette prophétie s'accomplir parce que ça veut dire que les gens pourraient encore acheter et vendre sans être empêchés par le gouvernement. Il faut qu'il y ait une technologie en place où ce que tout peut être contrôlé d'une façon ou d'une autre. Fait qu'à mon avis, ça, c'est les deux choses qui sont en train deux choses en particulier qu'on voit qui sont en train d'être élevées à la surface à cause de cette pandémie dans laquelle nous vivons. Et la troisième chose, c'est là on parle de mettre
des espèces de chips dans les mains de les gens qui vont être capables de lire et tout ça, une technologie. Et tout ça est en train on parle de ça de plus en plus au niveau de sécurité, au niveau de protéger les identités des gens, sauver des vies et tout ça, encore une fois, de bonnes choses. Quand il y a une technologie qui sort, il y a souvent beaucoup de bonnes raisons, de bonnes choses qui justifient cette technologie pour aider les gens, mais l'Antichrist va l'utiliser d'une mauvaise façon lorsqu'il va être en pouvoir dans les fins des temps. Fait qu'il faut pas, je vais dire comme l'apôtre Paul a dit, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir des craintes, il ne faut pas vivre dans une situation en ce moment avec plein d'inquiétudes et de peur, mais de savoir que Dieu a prévu d'avance le fait que Jésus allait revenir. Dieu savait toutes les choses qui vont prendre place et toutes les choses qui sont en train d'arriver dans notre vie. Dieu le savait d'avance et Dieu est capable de prendre soin de son Église. Il est capable de nous conduire à travers de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Il est capable de nous protéger. Il est capable de nous diriger. Et je veux vous encourager parce que si vous n'avez jamais pris la décision de donner votre vie à Jésus, de te consacrer à lui, je vous encourage de le faire. C'est le moment de le faire parce que Jésus revient et lorsque Jésus revient, ça va être trop tard. Tu vas être obligé de vivre durant ce temps de tribulation. Mais prenez cette décision avant que ça soit trop tard, avant que vous preniez votre dernier souffle de croire, de mettre votre foi en Jésus-Christ. C'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, la seule façon d'avoir la vie éternelle, c'est en mettant votre vie, votre confiance en lui. Ce n'est pas en mettant votre confiance dans les hommes, dans des églises, dans des organisations, quoi que ce soit. C'est simplement chez vous ce que vous êtes dans un moment de prière. Et à la fin, dans quelques instants, je vais vous conduire dans une prière que la Bible dit que lorsque vous confessez de votre bouche et vous croyez dans votre cœur que Jésus est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si vous êtes ça fait 30 ans, 20 ans, 40 ans que vous vivez pour le Seigneur, vous êtes chrétien de longue date. Je vous supplie de ne pas perdre le feu de Dieu qui est à l'intérieur de toi, mais d'être réveillé à travers de la situation en ce moment. Tu sais, la Bible dit en Matthieu chapitre 25, on parle de les 10 vierges. Vous connaissez tous l'histoire où il y en avait 5 qui étaient prêts, puis il y en avait 5 qui n'étaient pas prêts pour le retour de Jésus. Moi, je crois que le retour de Jésus est de plus en plus proche. Je ne pense pas, je ne dis pas qu'il vient demain, je ne dis pas que j'ai aucune espèce d'idée, la date ni le jour, mais la seule chose que je sais, que nous, on doit vivre sur cette terre comme si il reviendra demain. Fait que vis avec un feu dans votre cœur pour vivre pour Dieu plus que jamais auparavant. Je vous encourage de ne pas perdre le feu que vous avez dans votre cœur, mais de dire et de déclarer ce que Dieu a, les promesses de Dieu, de rester dans la parole de Dieu, de rester proche de Dieu dans ces moments-là pour ne pas être distrait par les choses qui se passent dans ce monde, mais de savoir que si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Éphésiens chapitre 1, je veux terminer avec ce pensée que l'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 20. La Bible dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute dénomination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour le chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Paul il nous dit ici que Jésus, à cause de la mort et la résurrection de Jésus, il est dans une position d'autorité sur toute chose, sur tout esprit, sur tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Jésus est dans une position, une dénomination, une autorité, une puissance, et que nous, le corps de Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont mis notre foi en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ, verset 23, et la plénitude de celui qui remplit tous en tous. Fait que nous avons accès à la plénitude de Dieu, tout ce que Dieu a, nous avons accès comme ses enfants. Toute la victoire, la paix, la joie,
tout ce qu'on a besoin pour vivre sur cette terre, nous avons accès à cause de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection. Donc, je vous encourage de ne pas courir à droite et à gauche, essayer de trouver des réponses dans la vie, réponses, des solutions. Jésus est la solution pour votre âme. Jésus est la solution pour votre vie. Il est la solution pour chaque personne qui va appeler son nom. Il va rentrer, il va venir habiter à l'intérieur de toi. Son esprit va demeurer en toi et tu vas expérimenter la grâce, la paix, la joie, l'amour, la bonté de Dieu lorsque tu l'acceptes comme sauveur. Fait que si vous n'avez jamais pris cette décision dans votre vie, peut-être vous m'écoutez et vous êtes dans la maison, il y a quelqu'un chez vous qui est croyant, peut-être vous n'êtes pas croyant, et je vous encourage de prendre cette décision. Ce n'est pas une décision de devenir membre d'une église, c'est une décision de croire en Jésus-Christ. Il t'a aimé, il a donné sa vie pour toi à la croix, il veut simplement que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur. Fait que j'aimerais ça que si tu veux prier cette prière avec moi, là où vous êtes à la maison, c'est une courte prière, mais c'est une prière qui va amener ou qui va te aider à débuter une relation avec le Seigneur. Prions avec moi. Dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir été à la croix pour moi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je te demande de me pardonner de mes péchés. Je veux vivre pour toi. Je veux avoir une relation avec toi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Inonde mon cœur, inonde ma vie. J'ai besoin de toi. Conduis-moi, dirige-moi, que ta volonté soit faite dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue dans le corps de Christ. Appelle-nous ici à l'Église, envoie-nous un courriel ou restez en contact avec quelqu'un qui est croyant autour de vous. Restez dans la parole de Dieu, branché avec le Seigneur. Moi, je crois que c'est le moment. Et si vous êtes croyant, ça fait plusieurs années que vous suivez le Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vous encourage de ne pas perdre le feu que Dieu a mis à l'intérieur de toi, de ne pas perdre votre premier amour. Tu sais, il y avait un avertissement que Dieu avait donné à un des églises dans les sept églises que Dieu a parlé en Apocalypse. Il a dit de pas, il y avait une église qui avait perdu leur premier amour. Et Dieu te dit de ne pas perdre ton premier amour, mais de rester enflammé pour lui, de rester complètement branché et près de lui. Demandez, Jésus dit, et vous allez recevoir. Cherchez et vous allez trouver. Cognez et la porte sera ouverte. Fait que je vous encourage de chercher Dieu comme jamais auparavant. Et j'aimerais ça, avant qu'on termine, j'aimerais ça juste prier pour vous si vous avez des problèmes, peut-être dans votre corps physique, peut-être mentalement, émotionnellement, c'est un moment dur pour toi. J'aimerais ça prendre un moment juste pour prier et prier que Dieu agit, qu'il te touche où ce que tu es en ce moment. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Seigneur, je prie que tu puisses inonder les cœurs et les vies de chaque personne qui m'écoute. Seigneur, que ta présence peut être ressentie dans chaque maison. Seigneur, que la paix, que ta force, que ta victoire peut inonder les cœurs et les pensées de chaque homme et chaque femme qui sont avec moi ce matin. Seigneur, qui ont besoin d'une guérison physique dans leur corps, Seigneur, tu es capable de guérir. Ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Seigneur, je prie pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, jeune fille, que tu agis dans nos vies, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus, le nom qui est précieux, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, je prie, s'il y a des gens qui vivent des moments de difficulté dans leurs finances, Seigneur, je prie que tu pourvoies pour eux d'une façon surnaturelle. Seigneur, s'il y a des gens qui vivent des problèmes dans leurs pensées, dans leurs émotions, Seigneur, que tu puisses les combler là où ils sont. Une guérison, une délivrance si on a besoin, Seigneur. Tu es le même aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes jamais. Seigneur, on te donne toute la gloire. On te donne toute l'adoration. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Je vous aime beaucoup. Sois béni. À dimanche prochain, 9h15.